c'est bien les gars, mais il y a 14 000 streams sur PUBG, ça commence à casser les couilles à tout le monde. Maintenant il y a Fortnite. Envie de faire... C'est ce que je dis, il y a un moment. Qu'est-ce que tu fais? Je te jure que tu refais jamais ça. Non, on va essayer de changer, on va essayer de prendre des jeux un peu plus fun aussi, même si PUBG, lol, on en a fait, on a fait la chance. Aujourd'hui on a changé, on a fait du CS. Donc voilà, et je te jure que tu fais une grave erreur toi. Mais je les emmerde moi. Pourquoi je me mêle sans déconner? Je vais leur déléguer mon pied au cul déjà. Il me nique des trucs, tout ça pour lui. La compte ta mère. Oh, t'es bloqué! Allez, on tire doucement là-bas, sort. Quel cauchemar. Vas-y, je te laisse le finir en mode normal alors. Il est où là? Là, bah, tire tout droit. Tire tout droit. Non, mais quel coche. Le pire joueur du pot. Ou est-ce que vous avez la réponse et tout, et là elle me dit les mots magiques, elle me dit monsieur, je vous accorde le prêt. Et au moment où elle me dit ça, elle finit ce mot, le prêt, je vous accorde le prêt, dans ma tête j'étais en mode. And so you're back from outer space. Le prêt, ça y est, oui, j'étais dans la rue, j'étais là, oui, adieu cet appart, femme. Oh écoutez, c'est... Ça allait très très vite quoi. Je pensais que c'était le... C'est presque... Le truc m'a quand même dit, c'est presque bon. Ta réponse est presque bonne. Moi j'ai besoin de sucer, Garou, seulement 2-3 fois. Dites-moi qu'il est bien. Sans Gohan, Super Saiyan John, c'est un SSR. J'ai au moins j'ai un SSR. Attaque 25% sur tous les types. Il est très très bon celui-là, non? Et c'est un des meilleurs, non? Il pue la merde. Il fout le merde à des pires SSR. Mais non, 10 000 points chez Baba. Ça, j'endors ma petite avec ça. Ah ouais, c'est ouais, pas, bah, ça, ouais, ça c'est pas mal. Elle est comme ça. Le moment où il dit enculé de fils de pute, ma petite elle est là. Elle est là, putain, elle, là. Elle, elle me regarde. Dire, et ma fille, elle me chie dessus. Elle fait je respecte elle. Et moi je dis pas merde, tu vois, je suis là, les gars. Je te crache à la gueule en mode je respecte elle. Non, mais vraiment, les gueules à la gueule. Oh. Qui crée la game? Est-ce qu'il y a eu déjà des petites régurgitations? Oui, bah c'est normal ça. Ouais, nice. Oh là là. Une fois, elle m'a vomi dans la bouche, c'était énorme. Ah, dans la bouche. Donc voilà, ça a été 8 mois de pure douleur. Mais et c'est pas fini, hein, c'est pas fini, mais voilà. Et donc, en gros, à cause de ça, elle devait faire une prise de sang tous les mois. La dernière prise de sang qu'elle a faite, ma femme, qui était va faire la prise de sang. Déjà, ils galèrent parce que ma femme, gros, ils sont là, ils cherchent sa veine. Comme s'ils allaient la piquer, tu sais, lui mettre un maximum de spermatozoïdes. Mais ils ne trouvent pas de veine. C'est-à-dire que ma femme, elle est là, bon, elle a pas de veine, c'est chiant. Quand je dis à ma femme, je suis content qu'elle soit enceinte, à tout moment, elle peut me dire, super, le patriarcat, quoi. Là, il y a un moment, t'es en train de me remettre à ma condition de femme, tout ça parce que je suis enceinte. Demain, je peux être un homme si je veux, d'accord? Je suis libre. Demain, si je veux avoir une grosse caquette et des seins, je peux le faire. Tu n'as pas à me coller cette étiquette. Le jour où ma femme me dit ça, déjà, elle prend une manchette, mon frère, elle a pas compris d'où ça sort, mais elle prend une véritable manchette. Gigi, peux-tu nous expliquer ton embrouille sur Facebook avec Tiketa Clol? Et il me dit, je dis ouais demain à quelle heure? Il me dit, oh demain bah entre 5h et 23h. Et à un moment moi j'étais en mode bon bah c'est pas possible qu'il fasse autant de blagues à la minute. Enfin genre c'est gênant tu vois. Et au début je crois que c'était trompé tu vois, je fais pardon. Enfin, je dis à quelle heure? J'ai pas entendu. Il fait bah entre 5h du matin et 23h. Et moi j'étais là Et il fait ouais comme ça vous donne une fourchette. Et moi j'étais là mais monsieur c'est plus une fourchette là. Je lui dis c'est une fourche, vous êtes un paysan quoi. Il dit mais il est complètement con. Il est putain de Dieu. Vous avez de quoi noter? Alors, c'est le 06. Fais gaffe, on entend. J'enlève mon micro aussi. Je dis, on a le prêt! Je sais pas quoi! Elle fait, c'est pas vrai! Je peux te dire que c'est vrai! Elle fait, c'est pas vrai! Là, je lui mets une claque dans sa gueule, je fais, putain, la con, t'es grand mort! Je te dis qu'on a le prêt! Elle est là, est-ce que c'est vrai? Oh putain! Je te dis qu'on a le prêt! Là, et on se prend dans les bras, on saute dans les consoles! Ouais, ouais, je suis en bas du propriétaire! Ouais, ouais, ouais! Elle était trop contente! Ta merde! Ah non, mais mec! Mais j'étais un malade! J'étais trop content! Faut vite! Ouais, moi-même! C'est les experts! Il me fallait des lunettes! Wow, wow,
pépé, pépé, pépé. Je m'en avais gros, j'étais là, non. Mais gros, j'ai dit, enlève ton masque. C'est Ibra TV, c'est une expérience sociale, c'est une caméra cachée. Où est Christophe de Chavannes, c'est génial. Je comprends pas. Et non, mais on va la garder en observation. J'ai dit, mais oui, depuis vendredi, vous la gardez en observation, madame. C'est chiant. Non, mais ils sont toujours devant, hein. Il est encore chaud pendant deux heures, là, on peut... Eh gros, bouge pas, frère. Oh là, oh putain, t'es con, t'as crié, tu m'as fait sursauter. Oh, mais quel connard, mon gars, mais il... Toujours à missé, faut annoncer pour les frérots derrière. Mec, il m'a fait mais sursauter, mais quel enculé. Non, mais gros, tu vas regarder le stream, je tape un espèce de... un strafe, personne n'est pris, quoi. Je vais lancer la VOD. Hop, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jiraya TV. Nous sommes sur The Escapist.